lors de cette 11e journée de Ligue 1 de football, Auxerre recevait les Bretons, Rennais, ce dimanche. Et finalement, ce sont les Rennais qui se sont imposés 1-0 à Auxerre, dans une rencontre qui était assez serrée, où il y a eu peu d'occasions. Enfin, dès le début, il y a eu une reprise à bout portant de Pitro Hipa, que le gardien Sorin a repoussé magnifiquement. Bon, la partie fut particulièrement agréable à regarder, avec un jeu des Auxerrois qui manquait de précision. Et le dernier geste n'était pas là, et il y a eu des occasions, peut-être à la 18e avec Traoré, à Olivier à la 34e, mais qui ne trouvait pas le cadre. Visiblement, les deux formations se craignaient, et malgré des contres et plusieurs occasions, la faille ne se trouvait pas. Donc, il y a eu gestion après la pause de la GIA qui subissait un peu le match, et qui par moment paniquait, a conservé le bâton, et par moment les Bretons en ont profité dans un temps fort et ont ouvert le score à un quart d'heure de la fin grâce à Boukari qui hérite d'un ballon de Ferré et qui trompe le gardien Sorin de près du gauche, et 1-0 donc pour Rennes dans ce match de Ligue 1. Rennes qui se situe donc maintenant à la 3e place temporairement au classement général.